Et salut les amis, bienvenue à tous sur Kao Gaming, c'est l'heure du tournoi Tekken Tag Tournament 2. Et aujourd'hui, nous allons passer la suite des départages des 5 victoires sans défaite. Je vous rappelle que pour l'instant, pour les 7 combattants qui sont passés sur ce départage, Nina Williams est la favorite, hein, puisqu'elle a orchestré 7 points sur 8 et qu'elle a enlevé un peu moins de la moitié de barre du 8ème combattant. Donc elle est très clairement en tête pour remporter ce départage et donc obtenir la 24e place de ce classement en survie dans la discipline solo, hein, solo survie de Tekken Tag Tournament 2. Aujourd'hui nous commençons par, eh bien, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est? Eh bien la numéro 1 du classement InterTekken. Est-ce qu'elle va rester à cette place? Ça me semble compliqué. Parce que vu les classements de Jaxis dans toutes les disciplines, elle n'avait pas le droit à l'erreur, Léo, elle en a fait une sur ce survie. Et là, bah, malheureusement, elle est en départage pour la 24e place seulement. Donc la numéro 1 mondiale est en grande difficulté. Et il faut absolument qu'elle remporte ce départage pour essayer de perdre le moins possible d'avance sur ses autres adversaires. Mais contre Jaxis, ça risque d'être compliqué. Le robot a mis tellement la barre haute partout que ça risque d'être compliqué pour Léo de garder cette place de numéro 1. Non, dégage. On va voir. On va voir. Premier point pour Léo. Je vous rappelle quand même qu'il reste une épreuve, hein, après la survie, bien entendu. Il s'agit du contre-la-montre en solo, qui n'est pas encore passé, qui sera l'épreuve finale de ce Tekken Tag Tournament 2. Et évidemment, une fois le contre-la-montre en solo fait, il y aura une moyenne des 4 épreuves qui seront été passées dans ce Tekken Tag 2 pour en faire un classement final. Ce classement qui, lui, sera évidemment compté pour la compétition InterTekken, je rappelle. Magnifique. Léo qui fait son deuxième point. Pour l'instant, reste 35e de ce survie en solo. Et qui, si elle gagne le prochain combat, peut passer devant Miharu, devant Raven et devant Yoshimitsu, je vous rappelle. Donc, elle passerait de 35e à 32e. À l'issue de ce combat. J'ai une pêche à mon avis, voilà, on va s'en aller. Ça bloque beaucoup. C'est Jinpachi qui sombre dans l'oubli. Et Léo, donc, qui passe, eh bien, 32e minimum. En passant donc devant Raven, devant Miharu et devant Yoshimitsu. C'est maintenant contre Armor King que Léo peut doubler si elle arrive à battre Kazuya. C'est mal barré. La numéro 1 mondiale qui chute face à Kazuya. Est-ce qu'elle aura assez d'enlever de santé à Alex et à Kazuya pour passer devant Armor King? Je rappelle que pour passer devant Armor King, il faut qu'elle ait enlevé au moins une demi-vie sur un des combattants et un tiers sur l'autre. Voyons les vies de Alex et de Kazuya. Alors Kazuya, on est sur un quart et Alex un demi. Donc le demi, c'est bon. Mais en revanche, Kazuya n'a pas été assez touché pour que Léo double
Armor King, c'est donc la désillusion pour Léo qui, bah, du coup, atteint la 32e place. On est à la deuxième moitié du classement, là, hein, encore. Il faut être 29e pour atteindre la première partie du classement dans ce tournoi Tekken Tag 2. Donc, pour l'instant, c'est la deuxième partie du tableau qui est fixée par les numéro 1 qui est Léo Claissen. Non pas cette fois-ci, non pas au numéro 1, mais au dernier, au 61e personnage, au dernier du classement Intertaken, qui est Prototype Jack. Et Prototype Jack, c'est pas fameux, un 23e en survie dans Tekken Tag Tournament 2 en équipe, et en survie évidemment. Et c'est aussi en contre-la-montre, 25e. En contre-la-montre, donc on est quand même plutôt sur un pari gagnant, hein, pour le gros beau, hein, Prototype Jack, qui là, augmente son classement, même s'il perdait ce départage. Donc lui, il réalise plutôt une bonne opération avec ses 5 victoires. Va-t-il réussir à grappiller quelques points? Allez, Prototype Jack. Ah, c'est de la tristesse incarnée, hein, Léo. Voilà. C'est pas bon. Hein. Très décevant, hein, de la part du numéro 1. La numéro 1. Et évidemment, ça fait les affaires de Jack 6, qui même n'avait pas forcément besoin qu'elle perde ce duel. C'est quand même chose faite. Et Prototype Jack qui signe son deuxième point sur ce duel. Get ready for the next battle. Jusque-là, c'est toujours le 35e à ce classement. Oh, blanc, c'est immonde. Allez, allez, Prototype Jack qui signe son troisième point. Yoshimitsu, hein, qui est sixième au classement Intertaken, prend cher, hein, concrètement. Hein, ces deux points sont vraiment pas fameux. Il est quand même devant Raven et Miharu. Hein, Miharu qui, pour l'instant, est la grande perdante, hein, de ce duel. Mais quand même... Ah, c'était risqué. C'était extrêmement risqué de la part de Prototype Jack. 3 points. Est-ce qu'il aura assez pour doubler Armor King? Est-ce que ce sera assez pour doubler la numéro 1, Léo Claissen? On va voir. Toujours est-il que le dernier du classement Intertaken aura quand même bousculé la numéro 1. Donc quand même, hein, c'est là qu'on voit que tout est possible. Alors, on a un demi-bar pour Prototype Jack. Et l'autre... c'est compliqué, hein. Un demi-bar moins, on va mettre. Ce qui fait que... Eh bien, Prototype Jack est devant Léo Claissen, qui avait fait un quart et non pas un demi moins. Donc c'est une victoire de Prototype Jack. En revanche, pour Armor King, un demi et un tiers. Est-ce qu'on a un tiers d'enlever là?
plus d'un tiers, hein, un demi moins moins. Pour moi, Prototype Jack est devant Armor King, les amis. C'est une certitude, hein, sinon j'aurais mis... Non. Prototype Jack est devant Armor King. C'est donc une bonne réalisation de la part du robot. Plutôt encourageant. On passe au combattant suivant. Et là, oui, Prototype Jack va monter dans les classements, du coup. Et on passe à Feng Wei. Feng Wei, c'est le numéro 48e. Il est 48e au classement Intertaken. Et Feng, c'est évidemment dernier en survie dans le Tekken Tag 2 en survie en équipe. Et 19e en contre-la-montre. Il va donc augmenter sa moyenne, même en perdant ce duel. Lui, il est assez gagnant dans l'histoire. Feng Wei qui a du mal, hein, à se démarquer. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, je la connaissais pas celle-là, tiens. J'ai préféré me mettre au plus loin possible de Kuma. Mais bon, c'était très étrange. Allez, premier point pour Feng Wei. Non, c'est une technique très étrange. Je sais pas trop ce que c'était. Là, j'étais au plus loin possible de lui. Donc là, s'il me touchait, c'est qu'il y avait un problème. J'avais peur qu'il y ait un... Pas un espèce, de champ de force, mais... Bon, ça n'a pas été le cas. Oh, par terre, c'est crade. Mais bon, c'est pas grave. Deuxième point pour Feng. Qui passe donc la barre symbolique des deux points. Et donc là, on commence à rentrer dans la prise de classement. Évidemment. Et ça passe pour Feng, c'était limite. Mais ça double Raven, ça double Miharu et ça double Yoshimitsu sans problème. Enfin, sans problème, si, c'était quand même chaud. Hein. Faut pas exagérer. Et donc là, on rentre dans la lutte entre Prototype Jack, entre Léo et entre Armor King. Pour l'instant, c'est Pejack qui est le gagnant des 3 victoires sans... Enfin, des 3 points. Dans un mouchoir de poche, hein, par contre. Hein. Ah, la rapidité de Lars aura freiné le résultat de Feng Wei qui lui aussi s'arrête à 3 points. Pour l'instant, Nina n'a pas du tout été inquiétée. Pour l'instant, Nina, c'est la seule à avoir fait 7 points. Bravo à elle. Et donc, Feng Wei, c'est une demi-barre plus pour Lars. Et... deux tiers pour Armor King. C'est donc Feng Wei pour l'instant qui est devant dans les 3 points. Devant Prototype Jack, devant Léo et devant Armor King. Armor King qui est d'ailleurs devant Léo. Hein, je rappelle. Oui. Allez, on passe au combattant suivant. Et le combattant suivant, il s'agit... Où est-ce qu'il est? De l'ours. Kuma. Qui a fait quand même un bon Tekken Tag 2 pour l'instant. 32e au classement Intertekken. Donc vraiment, la moyenne de chez moyenne. Et pourtant, il a monté Kuma, hein, puisqu'il est quand même classé 5e en survie en équipe. Et 7e en contre-la-montre.
Donc même en gagnant ce duel des 5 victoires sans défaite, ça va redescendre un petit peu dans le classement de ce Tekken Tag 2. Mais par contre, selon son classement à l'Intertekken, ça, c'est quand même mieux. Kuma qui est un des grands perdants hein, de ce Tekken 6 dernier. Il a perdu quand même 12 places. Donc il faut remonter ça pour l'ours. Il faut remonter ça, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles entrées dans ce Tekken Tag 2. Hein. On a JC, on a Jinpachi, on a Dr. Boskonovic. Et je crois que c'est tout. Hein. Et Slim Bob, pardon. Et Sébastien, si on a quand même quelques-uns quand même. Hein. D'autant plus qu'ils ont quand même fait des bons résultats, hein, donc ce serait bête que qu'ils prennent la place de certains qui ont fait des bonnes prestations. Et ça passe pour Kuma. Ça passe pour l'ours de Heihachi. Get ready for the next battle. Et donc là, on commence déjà les combats qui sont déterminants, hein, forcément, pour les classements. Final round. Fight. Il a voulu faire son coup de ventre, lui. On ne veut pas en entendre parler. Mauvais souvenir. Et ça passe pour Kuma pour ce troisième point. Bravo à l'ours qui passe sans trop de problèmes, là, je peux le dire. Get ready for the next battle. Il nous en reste combien après Kuma d'ailleurs? Il nous en reste. Bah, il nous en reste plus qu'un. Il nous en reste plus qu'un, hein. Donc, oui, on va commencer à pouvoir placer des gens. Alors, on en est aux 3 points là. Là, si Kuma gagne un point de plus, forcément, ça lui sera avantageux sur ce duel. Mais Angel n'a pas l'air. D'accord. Oh là 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 là. Eh ben non, ce sera que 3 points encore pour Kuma. Il y en a beaucoup hein, à 3 points. C'est terrible. C'est terrible pour l'ours qui était pourtant bien parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ouais, c'est ça. Alors Kuma, c'est un demi pour celui qui est en retrait et un demi plus pour Angel. Donc il est devant Pejack, ça c'est sûr. Par contre, il sera encore derrière Feng. Et donc sa fortiori, il sera devant Léo et devant Armor King également. Bon, eh bien, normalement, on passe au dernier, si je dis pas de conneries. Alors, je vérifie. On en a fait passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 et 11. C'est bien ça. Donc, le dernier à passer avec 5 victoires sans défaite, c'est Bob. Bob, classé 23e au classement Intertekken. Et qui a commencé son Tekken Tag 2 avec une 7ème place en survie, ce qui est plutôt bon, hein, qu'on se le dise. Et en revanche, une 23ème place en contre-la-montre. Il est donc pile dans la moyenne, hein, à 15. 15 sur 30, donc s'il finit 29ème sur ce mode survie, il confirmera
son état de combattant moyen également. Donc on verra. Et à partir de la progression de Bob, je vais pouvoir mettre les rangs dans les classements. Oula. Gros tandem là. Et ça passe pour Bob qui prend son premier point pour l'instant. C'est pas suffisant, c'est toujours lui le 35e. Get ready for the next battle. En ayant 3 points pile, il serait 32, ce serait pas suffisant pour confirmer sa place moyenne. Il faudrait qu'il ait 4 points. Et 4 points, il est même devant. Hein. Parce qu'il y a quand même pas mal de duels sur les 3 points. Et ça passe pour Bob pour son 2e point. Alors je ne mets pas encore les classements parce que ça va dépendre aussi de la barre de vie. Alors le premier est en full vie évidemment, mais ça va dépendre aussi de la barre de vie de Nina, de Yoshimitsu pardon. Nina est en full vie pour le moment. Final round. Ouais, un demi-barre à moins hein, pour Yoshimitsu pour le moment. C'est plutôt bien parti pour Bob. Et qui se débarrasse de Nina. Et qui signe donc son 3e point. C'est donc Miharu qui sera classé 35e en survie et en solo. Suivi de Raven, 34e. Et enfin complété par Yoshimitsu en 33e, le 6e mondial. Il n'est pas bon. Allez, maintenant, ça joue pour les 3 points, enfin pour le entre les 3 points. On va voir ce que donne. Oh, merde, c'est trop tôt. Oh là, Sébastien qui est très menaçant. Vache. Oh, impitoyable le serviteur de Lily. Et donc, ça ne met pas Bob dans les meilleures dispositions. Mais là, ouais, j'avoue que pourtant, j'ai été assez prudent. J'ai pas voulu aller trop vite. Et ben, ça m'aura été préjudiciable. Et Sébastien n'a quand même pas perdu tant de vie que ça. Donc, ça sent le full life pour le majordome. Non. Un demi de barre pour Yoshimitsu. Et pour Sébastien, on est sur un tiers. Même pas. Bon, je dirais un quart moins, un quart plus. Donc, si je fais le décompte des 3 points, le moins bon des 3 points pour l'instant c'était Léo. Un demi, un quart, je sais pas, entre Léo et Bob c'est compliqué. Un quart, ah là 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 là, fait chier, je sais pas. Au moins un quart c'est au-dessus des vies de Sébastien. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça sent une mort subite en très difficile, ça. Hein, pour ne pas se planter. En tout cas, on va faire le truc à l'inverse. Nina, c'est 24e. Ça, c'est sûr. On va barrer. 25e, c'était entre Lei et Mokujin. C'est Lei, 25e. Belle performance. Ensuite, bah du coup, c'est Mokujin. Pas de problème. Ouais, je pense que je vais faire un duel entre Léo et Bob. Donc du coup, Miharu s'est planté. Raven s'est planté. Et Yoshimitsu s'est fait. Ensuite, dans les 3 points.
attendez, oui bon, c'est pas grave, comme ça, ça vous fait de quoi regarder. Dans les trois points, le meilleur du meilleur du meilleur, c'est Feng Wei, 27e Feng, suivi, je pense, de Kuma, 28e. On aura ensuite, entre Prototype Jack, un demi, et bien ce sera, oui, ce sera Prototype Jack en 29e, et Armor King, 30e. Voilà, donc, on va retourner au menu principal, on a 25 minutes, donc ça tombe bien, et il y aura donc un nouveau duel pour le numéro 1 mondial. On va mettre en très difficile, mort subite. On augmente la mort subite. On en équipe. Voilà. Donc c'est une mort subite entre Léo Claisson et Bob. En parfaite égalité. Et donc Léo est passé en premier. Donc on va le faire passer en première. Voilà, je peux barrer le score d'Armor King, ça c'est bon. Je peux barrer le score de Prototype Jack, ça c'est bon. De Feng Wei, ça c'est bon. De Kuma, ça c'est bon. Je vais enlever celui de Bob et celui de Léo du coup. Et je vais mettre des petites barres en dessous. Allez, c'est parti. Bataille pour la 31e place pour la numéro 1 mondiale. Bob et Léo 2, provenant de Tekken 6. Merde, c'est trop tôt. Ils n'arrivent pas à se départager. J'ai préféré parce que là, j'ai pas envie de privilégier quoi que ce soit. Premier point dans la extrême difficulté pour Léo. Forcément dans très difficile. Ouah, c'est serré. Hein. Là, c'est très serré. Bataille donc pour la 31e place. Donc, c'est quand même la deuxième partie de tableau. Hein. La deuxième partie de tableau qui commence par Armor King, classé 30e. Et la première moitié s'achève à Prototype Jack, classé 29e. Donc là, le vainqueur sera forcément dans la deuxième partie. Ça aurait été marrant que ce soit pour la 29e. Et c'est pas pour la 29, mais pour la 31. Bon, Léo qui inscrit son deuxième point avec moins de difficulté que le premier. Get ready for the next battle. Et là, cette mort subite. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu, hein. Et non, ça ne passe pas face à Steve. Léo qui enregistre cette fois-ci donc 2 points en très difficile. Get ready for the next battle. On va regarder les vies des autres. Final round. 3 quarts, 2 tiers. 3 quarts, 2 tiers pour Léo Claisson. Que va faire donc Bob? Bob qui au moins se confrontera au numéro 1. Pour malheureusement que la 31e place de ce mode survie en solo. Mais duel avec le numéro 1 quand même. Si Bob arrive 31e,
n'aura que un très léger une très légère perte de classement par rapport à ses positions. Oh là là, il a pu faire en équipe. Et ça passe pour Bob aussi dans la difficulté, ce premier point. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud pour l'Américain. Face au score de l'Allemande. Oh, très difficile. Final round. Fight. On a un match États-Unis-Allemagne. Et ça passe pour le deuxième point pour Bob. C'était pas gagné, mais ça passe quand même. Et donc je rappelle que Léo a fait 3/4 des vies enlevées d'un de ses adversaires et 2/3 pour l'autre. Donc il va falloir mettre le paquet, Bob. C'est loin et c'est pas loin. On est quand même en très difficile. Donc chaque vie enlevée est précieuse. Oh, et c'est la victoire de Bob. Ça y est, le coup dévastateur, le coup libérateur de Bob qui met en échec la numéro 1. Et donc Bob sera donc 31e, alors que Léo passe à la 32e place. Une 32e place qui va coûter très cher à la numéro 1 mondiale. 31e, de toute façon, ça lui aurait déjà coûté cher, mais 32, bah, encore un peu plus, hein. Très décevant de la part de Léo. Il signe là son premier coup dur. À l'image de Devil Jin dans Tekken 6 d'ailleurs. Hein. Et bien voilà, c'est plié. Donc vous voyez le classement qui va s'afficher sur votre écran. Et donc Nina 24e, Lei 25e, Mokujin 26e, Feng Wei 27e, Kuma 28e, Prototype Jack 29, Armor King 30, Bob 31, Léo 32, Yoshimitsu 33, très mauvaise opération pour lui, Raven 34 et Miharu 35e. Voilà, ceci donc met un terme au départage des 5 victoires sans défaite. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne. La prochaine fois, on passe au départage des 6 victoires sans défaite. Et donc là, le vainqueur de ce départage sera classé 17e. On rentre de toute façon dans le dur, hein, dans les meilleures places, enfin, du moins dans la première grosse partie du classement. Pas encore dans les meilleures places, j'exagère, mais ça s'approche, le tournoi s'accélère, les amis. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, et on se dit à bientôt pour la suite du tournoi Tekken Tag 2. Salut à tous.